little girl. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais juste un peu parler de ma brief experience chez Vieux-Port Steakhouse. Ça se situe exactement au 39 rue Saint-Paul-Est, basically au Vieux-Port. C'est like overrated area. I said what I said. Okay. À la base, comment ça s'est passé? Genre, c'était vraiment genre unexpected situation. Si je cherchais un restaurant et I need to find something pour voir cet ami-là en question et tout. Puis finalement, j'ai trouvé celui-là qui était genre rated number one on Montreal Block. Je suis comme, why not try? On est comme, arrivé en retard. Go home! Ciao! Mais apparemment, ils peuvent servir jusqu'à genre 1000 plats genre, en soirée et tout, ce qui est vraiment choquant. On va revenir là-dessus. Anyways, back to what I was saying. Ils vont avoir plusieurs types de menus. Je suis allée voir sur leur site et tout. T'sais, ils vont avoir un brunch jazz, lunch le soir. Mais il y avait quand même beaucoup de gens. Il y avait quand même bien l'ambiance et tout. Deuxième étage, il n'y avait pas nécessairement beaucoup de gens, mais je pense peut-être que c'était aussi la soirée à laquelle on est allé. On est quand même allé un mercredi soir. Hey, but if you're gonna work. En milieu de semaine, donc ça dépend. Je me suis rappelé après, au fait, que j'avais déjà vu sur un restaurant before, je pense il y a 3 ans. Parce que quand je suis monté en haut, je suis comme, this is giving me déjà vous. You know, it's been there somewhere in the memories, or somewhere. Pour mon plat à moi, j'ai pris le suprême de poulet Santa Fe, which was. It was. C'est vraiment comme ça que c'était comme. C'était vraiment bon. Le match avec la sauce au citron était. Fabulous! Tristan! C'était bon. De toute façon, bon, tu vois que le plat là a vraiment été. Travaillé. Voilà. Oh my god, what is that? This is what we have. Oh my god! What is that? Mon amie à moi, elle a pris un plat. Genre, j'ai regardé le menu, mais j'arrive pas à me rappeler du nom. Donc, vous allez seulement avoir un peu les B-rolls et tout qui vont rouler comme si. But it was actually good. J'ai goûté à sa viande. Son viande était genre succulente, honnêtement. Et c'était vraiment bien fait. C'était tendre. Elle, sa viande était tendre, mais c'était ferme en même temps. Genre, c'était bizarre comme. Mais c'était vraiment bon. Like, la façon dont ils l'ont fait, ils ont vraiment bien fait ça. Je sais pas si elle a pris un steak ou pas. Genre mon amie avant elle m'avait actually recommandé le porn store martini mais malheureusement ils n'avaient pas tous les ingrédients pour le faire, donc j'ai switch pour un old Cuban which was actually good avec le Bacardi et tout. Elle a acheté un espresso martini which I guess was good because she liked it, puis elle a fini tout le verre là, puis she was like, oh, okay, maybe I'll try it or whatever. Somebody lied. En dessert, on a pris une crème brûlée à partager, accompagnée du spectacle. Comme si feu sous feu sous feu, larmes comme si. It's really nice, it was giving. C'était très Instagrammable. That's what we'll say. Apparemment, une de mes amies a remarqué que pendant que le monsieur était en train de basically faire ça, genre, elle était là avec sa caméra en train de filmer. Là, c'est juste comme. Hey. Little girl, did I give you my consent? Did I give you my consent to come here? C'est pas comme les autres places où je suis allé où c'était comme vraiment genre des cupides ou whatever. Genre c'était vraiment plus calme. C'est vraiment genre une place pour catch up. T'sais, si ça fait quelque chose que vous êtes pas rencontré ou tu veux vraiment avoir une soirée, c'est vraiment genre une place où genre, les gens parlaient, les gens parlaient. C'était vraiment. C'est le canal. Non, il y avait beaucoup de gens. I do not want to comment. On a tellement parlé. Vraiment, on a tellement parlé. J'ai vraiment pas vu le temps passer quand j'y pense. On est rentré là-bas, je pense, à 6h jusqu'à genre 9h30, presque 10h. C'était déjà 10h. Il était soit passé 10h sur le bord de 10h. On a même pas vu le temps passer. Tellement qu'on avait des trucs à se cacher. Shout out à Fred. Si tu regardes la vidéo.
Bon, à la semaine prochaine. I just have to talk with them. I'm gonna go. Well, I'm going to sleep, child. Okay. See ya. Bye.